Salut tout le monde, bienvenue sur ce Facebook Live, bienvenue sur Youtube aussi en live. Et nous allons débriefer la sélection de Domenico Tedesco pour les matchs du mois de mars. Mais c'est surtout la sélection Tintin aujourd'hui avec Manu Jus et Swan Borsellino. On a l'impression que ça éclipse presque... Euh je ne sais pas, les, les noms qui vont, qui vont sortir, on ne parle que de ça. Je vous parle avec la musique du dessin animé dans les oreilles, <laughs> pour l'instant avant le début de la conférence de presse, effectivement c'est un petit peu tout euh, ce qui va encadrer la, la sélection du jour. Manu va suivre donc la sélection pour nous en direct et on va euh, la débriefer avec Swan Borsellino. Ça va Swan, bien dormi euh, Un peu fatigué, mais je suis content d'être avec vous. Quand même. <laughs> Très content pour ces deux matchs amicaux, le premier ce sera face à l'Irlande, le deuxième face à l'Angleterre. En fait, ce sont les derniers gros gros matchs amicaux avant l'Euro, puisqu'on aura deux matchs de préparation juste avant de partir en Allemagne contre le Monténégro et Contre le Luxembourg, a priori deux adversaires qui seront la plus abordable. Euh, L'Irlande et l'Angleterre sont deux gros morceaux quand même. C'est les tests finaux de la version tedesco des Diables Rouges. Oui, c'est deux beaux matchs. Hein. L'Irlande, on y est allé il euh, y a pas longtemps d'ailleurs pour un, un amical aussi. Euh, c'est toujours un test important contre une équipe. Euh physique avec son, son style de football qu'on qu connaît et qui permet de, de préparer le c'est un petit peu le hors d'œuvre avant le gros morceau de, de l'Angleterre trois jours plus tard à Wembley où là c'est sera intéressant de pouvoir jouer une grande nation comme ça comme on avait eu l'Allemagne l'an dernier Effectivement, bah jouer l'Angleterre, c'est vrai qu'on les a déjà joués, notamment en Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps, ça s'était pas trop mal passé. On se rappelle aussi de la Coupe du Monde 2018, où là aussi ça s'était bien passé pour, pour les Diables Rouges. Euh, c'est l'une des équipes favorites de, de l'Euro, cette équipe d'Angleterre quand même. Ouais, oui, c'est clairement jouer l'un des favoris. C'est une bonne opportunité pour, pour notre équipe d'arriver à, à, à se mettre un peu au niveau. Après, je pense que le match de l'Irlande n'est pas.. Quasiment plus important, parce qu'au vu de la composition de, de la poule des, des Diables Rouges à, à l'euro, je pense que jouer contre des équipes comme ça et les prendre très sérieusement, ça peut envisager à, à, à je pense, être bon sur la, la phase de poule, là où, de toute façon, quand viendront les heures des huitièmes, des quarts de finale, des demi-finales, s'il y a demi-finale, les gros matchs. Euh, ça se prépare pas en amical euh, contre l'Angleterre. Bon, on n'a pas encore la sélection. Elle va tomber d'ici quelques instants. Manuel Jous nous interrompra quand il aura les, les noms. Euh, bon, il y a déjà plusieurs noms qui sont en balance, positive ou négatifs. Parce qu'on sait que Romelu Lukaku n'est pas dans la sélection de son équipe de la SROM pour jouer face à Brighton en, en, en Europa League. Problème à la hanche, apparemment récurrent. Est-ce que c'est le bon moment pour faire un petit stop pour lui Ça, on va le voir d'ici quelques instants. Mais ce serait une Tuile de ne pas pouvoir compter sur évidemment sur ce genre de match. Moi, ce serait une, une, une tuile. Après, je pense que aussi par rapport à, c'est peut-être la différence avec euh, d'autres moments de cette sélection là, c'est qu'on est quand même dans un instant où euh, si on met de côté le match contre le, le Real Madrid où il aurait pu faire mieux, hein, Luis Openda aujourd'hui titulaire dans, dans cette équipe des diables me choque euh, pas spécialement. Euh, on a Michi qui euh, qui est très bon euh, aussi dans un rôle de, de backup. Donc. Euh, c'est peut-être mieux justement pour les Diables Rouges d'avoir un Lukaku qui prend ce, ce temps-là pour se refaire une vraie santé, puisque comme tu l'as dit Lancelot, le problème est récurrent avant avant l'euro. Donc, euh, non, je ne suis pas spécialement euh, inquiet d'un éventuel rendement d'Openda. C'est surtout le retour de, de Kevin De Bruyne aussi oui. en, en sélection. Il nous a manqué pendant pratiquement un an. Le voilà qui revient au bon moment. Oui, il n'a presque pas joué dans, dans toutes les dernières sélections. À chaque fois, il, a, il était blessé. C'était vraiment le chaînon manquant. C'était difficile euh, d'évaluer vraiment l'équipe sous Tedesco en l'absence de Kevin De Bruyne. Donc là, on aura un, un bon point de, euh, de, de, de balance et de, de comparaison. Euh, par rapport à, à Lukaku, mais c'est vrai qu'une fois qu'il est là, d'office, c'est lui qui joue. Donc, à la limite, s'il si n'est pas là, ça va un petit peu forcer Tedesco ouais. à, à tester l'option euh, Openda devant, et ça, ça va être intéressant, parce que pour l'instant, Openda, soit il monte en fin de match à la place de Lukaku, euh, soit la seule fois où ils ont joué à deux en première mi-temps contre l'Autriche, ça n'avait pas été concluant, mais je pense que ce n'était pas le meilleur contexte ouais. pour tester cette configuration-là. Ouais, C'est aussi l'occasion de voir euh, De Bruyne en forme et Openda en forme jouer ensemble. Ouais. Ce qui, euh, pour moi, au vu de, du profil de, de l'attaquant de, de Leipzig, Peut-être aussi une, une opportunité intéressante pour, euh, pour nos, nos Diables Rouges. Il y avait certains joueurs qui étaient blessés, qui sont revenus juste à temps. On pense notamment à Dodi Luckebacchio, hein, qui euh, était blessé pendant pratiquement trois mois, qui est revenu, qui a marqué avec Séville, donc sens du timing euh, qui est plutôt dans le bon pour, euh, pour lui. Euh, par rapport à la sélection de novembre, il y a des joueurs qui ne sont plus dans le même niveau de forme. On pense notamment à Jérémy Doku, qui marchait super bien avec Manchester City qu'il y a des statistiques qui fonctionnent un peu moins bien pour le moment. Oui, après, on, on s'inscrit aussi dans une sélection avant l'Euro, euh, où vous l'avez dit, Lancelot et Manu, c'est une répétition. On a besoin quand même de, de pouvoir prendre des heures de, de vol en, ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, Jérémy Doku, en dépit des statistiques un peu moindres avec Manchester City, il a acquéri, avait acquis pardon, un, un statut dans cette équipe-là, qui ne me semble pas problématique au vu de, de ses performances du moment. Oui. oui, effectivement. Doku, ce qui est particulier, c'est... Entre guillemets, depuis que De Bruyne est revenu, ses stats à lui sont moins bonnes. Euh, mais bon, voilà, il n'y a pas de, de rapport de cause à effet. Mais c'est vrai qu'on on en parle un petit peu moins chaque chaque week-end. Euh, c'est presque plus Bakayoko qui est un peu son, son alter ego qui. Qui fait plus l'actu que lui, mais évidemment, c'est devenu un, un pilier, hein, c'est clair. On a avec lui ce qu'on avait avec Eden Hazard avant, euh, le fait que on lui donne la balle, il va se passer quelque chose et il déstabilise l'adversaire de toute façon. Donc, euh, De Bruyne et lui, incontournable. JJ qui nous dit avec KDB et coups en pointe, Openda, ça peut faire des tout gros euh, dégâts. On nous parle aussi du poste de back gauche qui reste problématique, d'autant plus qu'Arthur Teat aurait une petite blessure. Ouais. En tout cas, le dernier match, il est sorti euh, blessé par précaution. Euh, c'est vrai qu'à ce poste de back gauche, Domenico Tedesco n'a pas vraiment. De, de solutions qui émergent comme ça, puisqu'Olivier Deman n'est plus spécialement titulaire au Werder Bremen. C'est une réalité aujourd'hui avec euh, la difficulté physique de, de théâtre et je pense qu'il n'y a pas de drame dans le sens où il y a quand même un certain nombre de sélections, quasiment toutes, euh, à part peut-être les grands favoris qu'on a cités un peu plus tôt, qui a un poste ou l'autre et c'est souvent d'ailleurs un poste de bac, gauche ou droit, euh, à une carence. Aujourd'hui, on, on le sait et on va voir ce que Tedesco va nous proposer pour, euh, pour remplacer éventuellement le, le René. Alors, Manu, on a parlé beaucoup, hein, notamment de Castro Montes au poste de bac droit qui pourrait faire passer Castagne à gauche. Vous en avez parlé notamment un oh, Gagner ça. une oui, bagarre. une oui, bagarre face oui, à Nord-Est la oui, oui. euh, C'est un nom qui revient plusieurs fois. Je vois qu'on oui. l'a déjà dit à trois ou quatre reprises. Euh, solution ou pas? Euh, bah, on l'a souligné, lui, sa polyvalence, il peut jouer absolument partout. Donc, ça peut être une solution. Et de le tester, justement, dans, dans ce genre de, de rendez-vous amicaux. Même chose pour euh, Maxime De Kuyper, qui est ouais. un des rares joueurs à son niveau à Bruges pour l'instant. <laughs> et, euh, et qui, lui, euh, bah, voilà, est, est également polyvalent, puisqu'on peut le voir aussi à droite. Mais son vrai poste, c'est back gauche. Donc, s'il se confirme que Théâtre n'est pas là, De Kuyper est une bonne alternative. Ouais, je pense qu'il ira sur, euh, sur De Kuyper dans l'Eurostar ce matin jusqu'à Bruxelles. J'ai parlé avec mon petit doigt et mon petit doigt m'a dit que Alessio Montes n'avait pas eu reçu de préconvocation. Pas présélectionné, donc pas euh, de sélection pour euh, notre ami euh, Alessio Castromontes. On parle de Connie de Winter qui euh, joue beaucoup à Genoa. Euh pas une trop mauvaise saison, qui aurait dû déjà être dans la sélection du mois de novembre s'il n'avait pas eu une fracture du nez, je pense. Mmh. Euh, voilà, là aussi, on parle de joueurs qui pourraient peut-être avoir une petite sélection bah, ouais, Parce que là aussi, il aime bien amener des, des jeunes ou des éléments un peu phares de l'équipe Espoir. Il l'a fait ces derniers temps avec Aldakil. Aldakil ne joue plus du tout, donc là, ça semble illusoire de le reprendre cette fois-ci. Donc de Winter à la place, oui. D'autant qu'apparemment, il a, il a été convoqué ou pré-convoqué, donc ce ne serait pas surprenant. Ouais, je, je suis assez assez d'accord en fait le, le je pense qu'il y aura assez peu de tests de la part de tedesco parce qu'on est je le répète dans un moment où vous devez vraiment préparer l'euro après à ce poste précis et au vu du statut d'Aldakil aujourd'hui ça paraît très logique euh, d'avoir un, un de winter qui euh, soit enfin réellement convoqué Malory qui nous dit c'est tôt aujourd'hui. Ben bah oui, c'est tôt, euh, je... <laughs> <C 'est> tôt <laughs> pour tout le monde. Je confirme. Merci. C'est tôt pour tout le monde. De Winter, castro doivent en faire partie. Bon, ben bah, pour castro Montes, ce ne sera pas le cas. On nous reparle d'Alexis Salemakers qui performe à Bologne euh, dans un rôle plus offensif, a priori, que, que ce qui est attendu de lui en équipe nationale. Et c'est un peu son problème. Bah, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il il, s'inscrit aujourd'hui à Bologne dans un rôle où les, la concurrence avec les Diables est, est trop importante. Euh... On parlait du poste d'attaquant, mais on n'a pas évoqué les, les trossards, les, les joueurs de, de ce type-là. Donc personnellement, je pense que ça va être, ça va être compliqué pour lui euh, aujourd'hui on nous interroge et, et, et je pense que ça, ça repasse assez souvent euh, les plats sur les éventuels retours de toby alderweireld et d'axel witzel. j'imagine que vous êtes beaucoup à avoir veillé tard pour regarder <laughs> la huitième de finale aussi. de, 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 de l'atlético de madrid hier ou la tribune de lundi. on en Mais. a parlé. Euh, qu'est-ce qu'on peut encore en dire de plus que qu'on n'a pas déjà dit sur ce sujet là? non, bah, on peut redire. on peut redire et je pense que c'est important reprendre l'exemple qui a été donné lundi à la tribune à savoir celui de tony cross qui euh, malgré son immense statut avec la mannschaft s'est euh, montré et, et déclaré disponible à une sélection parce qu'il avait envie de, de rejouer. Et je pense que euh, peut-être que connaissant le caractère de notre sélectionneur national aussi, il est important que ce ne soit pas des bruits de couloir qui évoquent d'éventuels retours de Toby et d'Axel. Euh, Lio nous dit, Witzel a pris sa retraite car on ne l'avait pas repris. Euh, Est-ce qu'il faut encore faire un pas vers lui ben, Je pense que c'est un peu ça, ça recoupe un peu ce que, ce que, ce que vous dites. S'il y a une vraie volonté de la part de Tedesco de, de, de reprendre Axel Witzel, qu'il lui dise si ouais. Witzel a vraiment envie de revenir en. en enfin, qu'il se parle finalement. Oui, oui, qu'il se parle parce que c'est vrai que c est, c est cette décision de retraite internationale, contrairement à d'autres, elle n'était pas venue juste après la Coupe du Monde, mais après euh, la convocation de mars où il a constaté qu'il n'était pas dedans. Ouais, donc il, il a eu cette réaction assez normale en se disant bah, si c'est comme ça moi j'arrête de toute façon ça ne sert à rien que je reste disponible pour quelqu'un qui ne m'appelle pas et puis euh, oui il, il en trouve comme comme Alderweireld il en trouve des portes parfois il les referme un peu après surtout Alderweireld il l'a fait plusieurs fois euh, donc euh, un moment moi encore une fois par rapport au, à, aux qualités des joueurs je dis bah oui forcément ils ont leur place maintenant est-ce que Tedesco va chambouler tout le groupe avec lequel il a conquis la qualif pour l'Euro je ne sais pas, c'est un choix de, de gestion humaine aussi. Stéphane nous dit, le début de Tedesco, c'était un grand soleil. J'ai le sentiment que la presse ou certains anciens cadres de l'équipe nationale nous donnent le sentiment qu'on est en plein brouillard. Bah, je ne suis pas spécialement d'accord. Je, je trouve au contraire là, que il est très clair, euh, ouais. Tedesco. Oui, Il a toujours été très clair. On apprécie depuis le début, on n'arrête pas de le dire, sa franchise. Là où, euh, où Martinez était certes euh, très avenant et sympathique, mais beaucoup plus politique dans, dans ses discours, beaucoup plus langue de bois. Ce que Tedesco n'est pas du tout. Donc euh, non, et je trouve qu'il n'a pas vraiment varié sa ligne de conduite depuis qu'il est arrivé. Avec l'exemple de Courtois, évidemment, qui, euh, qui illustre assez bien ça. Euh, on nous parle de Torgan Hazard euh, pour jouer back-gauche. Peut-il jouer back-gauche euh, On nous demande. Bon. Alors, on a parlé de, de Salamakers et de son rôle à Bologne. Je pense que c'est important aussi de réinscrire euh, Torgan dans, dans son rôle à Anderlecht, où il bénéficie d'une du, liberté qui n'est pas forcément celle du poste de back-gauche avec les Diables Rouges de Tedesco en plus. Après, comme on l'a évoqué aussi lundi dans, dans la tribune, je pense que Torgan aujourd'hui a fait le nécessaire pour euh, éventuellement s'y si retour il y a qu'il y a un retour. Alors Manu, on y va pour la sélection Oui, alors la sélection va être dévoilée. Pour l'instant, on a le nouveau CEO de l'Union belge, Pete van den Dries, que je découvre quasiment pour la première fois, euh, qui euh, tient le, le micro et le crachoir. Mais avant ça, il y a eu des, des défilés de mannequins avec les, les nouveaux maillots. Euh, parce qu'on parle beaucoup du maillot Tintin, c'est quand même le deuxième maillot. Oui. Hein, Rappelons-le, il y a quand même un, un maillot aux couleurs nationales, euh, noir, jaune, rouge, qui a d'abord été présenté très beau très élégant je trouve un peu grenat avec des, des petits losanges discrets incrustés le short noir avec deux bandes dorées en diagonale il a de la lure. franchement il est, il est très très bien et la confirmation donc du maillot tintin qui sera le, le deuxième maillot c'est-à-dire avec le, le, le short un, peu, euh, un brun. peu brun brun beige le maillot bleu ciel et le petit col blanc fermé par un bouton comme un polo voilà okay. Alors c'est très c'est très clivant. Moi, je fais partie du clan de ceux qui qui le trouvent très réussi en fait. Moi, il y a deux choses que j'apprécie. La première, c'est qu'on est sur une référence culturelle quand même. De, de qualité, c'est pas, on pouvait critiquer tout Hollande, par exemple, là je trouve que Tintin ouais. est une vraie belle référence culturelle, ouais. je trouve hyper beau ce maillot, moi. Enfin, je... enfin... très très beau aussi, moi je suis Mais... plutôt euh, à l'opposé du spectre euh, des, des avis, Et Philippe Albert d'un côté, ben, je me situe exactement à l'autre ouais, on, <laughs> on est trois de l'autre <laughs> côté, alors, ce qui équilibre un petit peu euh, les les débats, non, euh, très très beau maillot, je trouve aussi le maillot à domicile pas mal. Ouais. Alors, c'est osé parce que partir sur du Bordeaux, alors qu'on est d'habitude sur du rouge-rouge vif, ouais. c'est quelque chose, mais euh, c'est euh, plutôt bien tenté, je trouve. Alors, ils sont plusieurs à vouloir voir Milet villar ah, ouais. euh, un nom qui revient euh, extrêmement souvent. Je souhaite voir Zvillard, mais a-t-il le caractère pour <laughs> se mettre au service du groupe Je pense que Manu, c'est toi qui en avais parlé à plusieurs reprises. C'est quand même un garçon qui a affiché parfois du caractère, parfois un peu trop de caractère, et parfois ça lui a porté préjudice dans sa carrière. Mais on se souvient, c'est quelqu'un de, de très ambitieux, de très sûr de lui, depuis qu'il est tout jeune. Euh, euh, la façon dont il a quitté Anderlecht n'avait pas été très appréciée sur place. Euh, il m'était revenu aussi des problèmes avec la sélection Espoir, où il avait eu quelques refus de sélection. Euh, maintenant, c'est oui, la Belgique avec les espoirs. Puis oui, <coughs> je suis parti avec la Serbie. Maintenant, je dis non avec la Serbie, peut-être que je reviens avec la Belgique. Donc, euh, donc voilà. Alors, il va pas revenir pour être numéro un directement. Donc effectivement. Euh, Peut-il se satisfaire d'un statut de 2 ou de 3 Je pense que l'avantage qu'il a sur tous les autres, c'est effectivement sa jeunesse, 24 ans, et que donc s'il peut avoir la patience d'attendre un petit peu, ça peut devenir notre numéro un pour les années à venir. Oui, pour moi, il y a deux, deux choses pour lui qui me font dire que j'aimerais le, le voir. Le premier, Manuel l'a dit, c'est son âge, et je pense que c'est important qu'on arrive à trouver des profils de gardiens qui sont euh, un peu plus jeunes et la deuxième ce serait aussi euh, la possibilité d'accorder une seconde chance à quelqu'un c'est-à-dire que je comprends très bien les retours que manu a eu et ils sont, et ils, sont ils sont véridiques simplement voilà et apparemment il aurait quand même refusé une sélection avec la serbie peut-être pour repos ou pas mais euh, s'il a envie de venir il faut lui faire confiance et essayer de voir s'il va se plier à, à ça. Allez, quelque chose de très important pour l'instant, la conférence de Prespeed Van den Driess, qui tient avec Domenico Tedesco un hein, maillot floqué Tedesco avec euh, le chiffre 26. Ce n'est pas son âge, euh, mais c'est l'année 2026. Donc, le contrat va être prolongé ouais, avant euh, même le début du tournoi. Avant même le début de l'euro parce que pour l'instant, il y a un contrat qui couvrait jusqu'à l'euro et c'était un petit peu l'inconnu pour la suite. Et donc, il bah, y a toujours deux façons de faire soit on attend de voir comment ça se passe dans le tournoi, soit on prend les devants pour ne pas qu'ils qu partent ailleurs. Et ben là, voilà, il, il est là, il sera présent jusqu'à la Coupe du Monde. Parce que les bruits de couloir qu'on avait, c'était que son contrat serait automatiquement prolongé en cas de qualification pour les quarts de finale de l'Euro. Donc là, on est dans un cas de figure différent. On est un peu dans le cas de figure qui avait été celui, le tapis rouge déroulé à Martinez à l'époque ah, aussi, qui était systématiquement exactement. prolongé avant les tournois. Voilà. J'ai l'impression qu'à la Fédé, quand on se rend compte qu'on a un bon coach qui tient la route, en tout cas en lequel, en, 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 en lequel on, on et bien voilà, on prend, on prend l'aide devant, on prolonge. Moi je trouve que quand vous êtes au début d'un cycle, finalement, euh, le conforter dans une position avant le, le tournoi, c'est aussi une bonne chose. C'est plutôt une idée qui, euh, qui se tient effectivement. Maintenant, il faut pas se rater évidemment au, dans la phase de poule de, de l'euro. Évidemment, après je pense que s'il n'avait pas prolongé, est-ce est que ça change vraiment quelque chose au résultat euh immédiat des Diables Rouges, je suis pas certain. Non, c'est clair. Euh, alors, pour le reste, on, Bruno nous dit qu'il est tout à fait d'accord avec Swan quand il parle de seconde chance pour, pour Miles Villar. Euh, Miles Villar, pour clore le chapitre, c'est vrai qu'on sait difficilement lui dérouler le tapis rouge et lui dire tu vas être numéro un, parce que les gardiens qui sont là, ils jouent en première ligue quand même. Si on parle pas de Thibaut Courtois, c'est impossible. Même si on met Courtois de côté, aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'un match euh, moi je l'ai bien connu à Strasbourg, vous voyez ce qu'il fait à... À Nottingham, c'est un, un gardien qui a plus d'expérience. Et surtout, c'est quand même un poste où la hiérarchie est peut-être encore plus importante, la hiérarchie installée, que dans les autres postes du, du champ. Donc, je pense que ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment que Tedesco arrive à lui dire tu es le futur, avec ou sans moi, et euh, il faut que tu l'acceptes ainsi. Euh, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, la première information, c'est que Domenico Tedesco va être prolongé jusqu'en 2026 et donc il verra les États-Unis, le Canada et euh, le Mexique, ce qui est une magnifique chose pour euh, lui. On nous parle encore de gardien. Alors on nous dit que dans l'absolu, euh, ce serait injuste pour Arnaud Baudard qu'il ne soit plus sélectionné. Il venait comme quatrième gardien, euh, vu la saison qu'il fait. Ce serait dur de le sortir de la sélection. Je comprends le raisonnement, mais on parlerait d'un gardien de la s titulaire avec la s en face. Bon, je comprends les deux parties. Voilà. Parce que voilà, Arnaud fait partie des, des éléments positifs du standard cette année. On sait qu'ils n'ont pas été forcément nombreux. Mais euh, encore une fois, il y a quand même un gros talent côté, côté celui-là. Une chance de voir euh, Cyril Ngongé, nous demande euh, Julien. Son nom est ressorti plusieurs fois, Cyril. Euh, Cyril Ngongé qui a donc. Euh, ah, on, on est parti avec Oui, la, une, le, non, le, non, une petite incise maillot. <laughs> euh, on jouera avec le maillot rouge en Irlande, avec le maillot tintin en Angleterre au Wembley. Magnifique. Donc, sacré coup de pub pour, ouais. euh, pour le match qui va être euh, en Mondovision, comme on avait l'habitude ouais. de le dire au XXe siècle. <rire> euh, <rire> Je parlais de quoi De Cyril Ngongé, qui fait. est de retour de blessure euh, avec Naples, et qui revient tout juste. Est-ce que c'est déjà assez pour le sélectionner Moi, j'ai peur que non, pour lui, encore une fois, en reprenant aussi des arguments assez similaires avec la, la concurrence aussi au poste où il évolue. Euh, il évolue plutôt sur l'aile droite. Hein. Ouais. On en avait fait un numéro 9 là. Maintenant, il va plutôt ouais. jouer sur euh, sur l'aile droite. Donc a priori sur l'aile où il y a déjà Loukebakio, euh, Bakayoko, Bakayoko qui Bakayoko, sont ouais. euh, qui sont candidats. Euh, on nous demande si Thomas Meunier mérite ou non d'y être. Je crois que je l'ai dit à la tribune lundi. Déjà, je vous tire les oreilles de ne pas l'avoir écouté, la personne qui a, qui a posé la question. Chani, Chani. Non, Chani un mauvais point. Non. Non, plus sérieusement, euh, je crois qu'en fait, on n'est plus vraiment à l'aube de l'euro euh, dans une question de mérite. C'est-à-dire qu'on est à un moment où le statut compte beaucoup et où j'ai quand même l'impression que Dominique Tedesco a un espèce d'accord tacite avec Thomas Meunier où s'il avait du temps de jeu, au vu de son passif avec l'équipe nationale, il serait euh, probablement reconvoqué. Et euh, c'est plutôt les échos qu'on a aussi de, de <laughs> Domenico Tedesco qui s'était entendu avec euh, Thomas Meunier pour dire qu'effectivement, euh, s'il jouait de manière officielle euh, et assez assez régulièrement, il serait euh, repris. Donc, on est plutôt dans ce cas de figure-là du côté de Trabzonspor, Je pense que la sélection est en train de tomber, mon cher Manu, qui euh, nous gratte les noms à la ah, vitesse de l'éclair ici. Il les lit à la vitesse de l'éclair, la... enfin, euh, Tedesco. D'accord. Euh... Donc, ce que je peux vous dire de ce que j'ai pris au vol, Connie de Winter est là ah, et oui. Thomas Meunier est de retour. Ça, Connie de deux... Winter est là, Thomas Meunier est de retour. Voilà. Donc, ça, c'est déjà deux grosses informations. Première sélection pour Connie de Winter. Ça, c'est un premier moment euh, important. Thomas Meunier est de retour. On s'y attendait. Euh, c'est le cas, c'est-à-dire que. Dans le cas où Castagne aurait un problème, il est là et on sait qu'il est, qu est prêt à l'emploi. Euh, pour De Winter, the winter to euh, bon, on va on va voir on va petit peu toutes à Manu de de Manu. un petit un vous peu bit voyez pas, mais ce sont a initiales euh, écrites <laughs> à une vitesse assez faramineuse. a euh, De Winter qui est là, Thomas Meunier qui est là. Euh, pour le reste, on imagine a y a Est-ce est qu'on a entendu a de Lukaku Lukaku est là ouais. Lukaku est là donc Lukaku est là, et, ça veut et dire... aussi dans, et, dans et ceux voilà. qui étaient un peu en balance voilà donc a priori pas trop trop de surprises euh, jusqu'ici euh... pas de Villard si j'arrive à dire Manu Kevin De Bruyne capitaine bien sûr pas de Miles Villard euh... non pas de euh... Arnaud Baudard est-il bien là il est là Baudard est là. Oui. Arnaud Baudard est bien dans là Baudard, Castells Cels, -Kaminski pour les gardiens donc on, on sait le, le quatuor ouais. euh, habituel, on n'y change rien du tout. Euh, Est-ce que Luque Bacchio fait partie de la oh, sélection oui, oui, Lukaku, Luque Bacchio. Je vous la donne vite, hein. et puis j'écoute ce que Tedesco raconte. Bien sûr. Bakayoko, Batshuayi, bodar, Castaigne, euh, Castells, De Kettelaar, euh, De Bast, De Mann, Doku, Fass, Kaminski, Lukaku, Luque Bacchio, Mangala, Meunier, <coughs> Onana, Openda, Sels, Teat, Tillemans, Trossard, Vermeeren... Wurtangen, Wrangs. Ok, donc a priori, pas de changement euh, du tout, si ce n'est qu'Aldakil quitte la sélection pour De Winter. Voilà. Mais en fait, on, on reprend finalement, Lancelot, euh, une pensée qui est assez courante aujourd'hui, je trouve, chez les, les sélectionneurs de, de grandes nations du foot, c'est que, je pense, on l'a dit, son groupe, il est fait. Euh, il l'ajuste il avec l'absence d'Aldakil et son, son temps de jeu avec un cognito de Winter dont on a dit qu'il méritait d'être présent. Mais globalement, euh, je ne suis pas sûr qu'on euh, quand on se refera un petit Facebook Live pré-Euro, euh, on ait une liste fondamentalement différente. Euh, Lenny nous dit qu'il faut arrêter de prendre 4 gardiens. Et ben, ça ne change rien en fait d'avoir 4 gardiens, puisque le nombre de joueurs de champ reste euh, le, le même, même en ouais. soi. Ce pas parce qu'on prend un gardien en plus qu'on se prive d'un joueur de, de champ. C'est juste pour les exercices de finition que c'est important pour les Diables Rouges, depuis déjà l'époque Martinez, d'avoir ça. Mais donc ça ne change rien. On sait que c'est quelque chose qui revient assez souvent chez les supporters qui se posent euh, souvent la, la question. Euh, Benjamin nous demande pourquoi Tillemans, je ne comprends pas ce choix. Ben moi je le comprends plutôt bien. Euh, ouais, il joue et il joue bien dans un club qui joue bien. Vous avez tout dit. <laughs> vous avez tout dit. Euh, alors, on a pas mal de, de supporters qui sont déçus, notamment en ce qui concerne Torgan Hazard. Euh, Torgan Hazard qui n'est pas repris. Donc là aussi, on s'inscrit dans une sorte de continuité avec Dominico Tedesco qui ouais, ouais. n'envoie pas de en signal fait, particulier. Je, je pense que c'est hyper important pour euh, tout le monde. Et en l'occurrence, je pense que là, vous parlez à des supporters d'Underlecht, euh, l'Ancelot, mmh. ou des amoureux de Torgan Hazard, de faire, euh, juste avant une grande compétition, euh, la balance et le ratio entre le mérite de ce que vous voyez... Et euh, la grande compétition qui approche. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux qui pensent que, par exemple, Torgan aurait pu en être. Euh, on peut reparler de Castro Montes, par exemple, selon moi. Mais aujourd'hui, euh, Tedesco, qui vient d'être prolongé, a en tête un groupe qui va aller à l'euro. Il l'a formé dans sa tête. Il avance avec depuis quand même un certain temps, à peu de choses près. Et en fait, il faut malheureusement s'habituer à une certaine forme de conservatisme. Et c'est quelqu'un qui vient d'un pays où Didier Deschamps est sélectionneur qui vous parle. <laughs> non, mais c'est ma malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression et l'envie de voir des nouvelles têtes parce que je pense que c'est normal et je pense que d'autres joueurs, joueurs méritent de porter le maillot des diables. Mais on se heurte toujours à une certaine réalité des sélectionneurs. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mon cher euh, Swan. Alors, Witsel, non sélectionné, effectivement. Euh, pourquoi sa non sélection Eh bien, parce qu'il a pris sa retraite interna internationale. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. En, donc, en parlant donc, de l'Atlético, là, est-ce que je me permets de vous couper, Lancelot oui. euh, le La indication, c'est Vermeuren, parce qu'il ne joue pas beaucoup, lui. Et pour le coup, là, on a un message fort de Tedesco qui dit « Tu es parti dans un grand club, je connais ton niveau ». Même si tu ne joues pas, je compte sur toi. Là, typiquement, on est dans l'anti-mérite, si, si on reprend mmh. l'exemple d'avance. Euh, 83 minutes avec l'Atlético cette saison, c'est très très faible, une seule titularisation, il avait été sorti à la mi-temps, donc euh, effectivement, il ne joue pas, il était sur le banc hier, très content de la victoire des siens, mais euh, voilà, c'est vrai que ça veut dire qu'il qu sera repris. Astor Franks, qui a perdu sa place de titulaire à Wolfsburg, est bien repris, donc on préfère ça, à, par exemple, j'invente un Julien de qui est très en forme avec son club. Encore une fois, on peut lire la, ça avec le, le même prisme, avec un groupe qui tourne selon Tedesco, des relations qu'il a avec les joueurs qui peuvent parfois frustrer d'ailleurs. Euh, Frédéric est encore euh, d'accord avec Swan pour Vermeerun. Enfin, disons qu'on a encore du, du public d'accord avec vous. Vous êtes euh, plébiscité, mon cher Swan. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a comme réaction ici Il euh... bah, y en a qui nous parlent encore de Toby De mais on ne va plus revenir là-dessus. Je... je... Ça n'arrivera plus. Voilà, maintenant c'est voilà. terminé. Et, et je pense vraiment que s'il n'est pas là cette fois, euh, on partira aussi à l'euro avec ce qu'on a aujourd'hui. Il me semble aussi, alors euh, bon, on nous parle de Romeo Lavia, euh, est-ce que c'est encore un joueur qui peut se frayer un chemin dans la sélection euh, Oui, mais à long terme pour moi. C'est-à-dire que je ne changerai jamais d'avis sur les qualités que je trouve à Romeo Lavia, mais euh, aujourd'hui en l'état, à l'avant-dernière liste avant d'aller à l'euro, si la question... Des gens qui nous euh, écoutent et regardent, c'est ce que Roméo Lavia va aller à l'Euro Je pense qu'il faudrait quand même un, un, un petit miracle. Euh, manifestement, Manu, euh, ouais. Kevin De Bruyne est absent de la sélection. D'après ce que, qu'on reçoit comme information, Attends, Kevin mais... De Bruyne n'est pas dans la sélection de, de, de Domenico Tedesco. Donc euh, là aussi, c'est un signal par rapport au fait de sans doute profiter de deux semaines de congé. Oui, peut-être. C'est vrai que je n'ai pas noté son nom, mais il n'y a pas encore eu de question le, le concernant non plus, non, bizarrement. On fait confiance à nos. Oui, oui. Je, je ne l'ai pas noté dans ma liste, en tout cas. Voilà. Donc, s'il n'est pas dans la liste de Manu. Non, ouais. effectivement, Mathis nous pose la question. C'est vrai qu'on l'a cité au début, mais c'était une erreur. Euh, ce que je peux vous dire rapidement par rapport à ce qu'il qu a déjà déclaré, par rapport à Lukaku, euh, il. Ah, attendez. Il y a une question sur De Bruyne. Écoutez-la à votre aise. Pendant ce temps-là, on en parle. Bon, on sait que ce n'est pas encore tout à fait rétabli, sa, sa blessure, qui rejoue, mais qu'on l'incorpore avec parcimonie en chef de, de Pep Guardiola. On va voir si on doit l'interpréter comme ça. Là, on spécule un petit peu. Mais... Je pense que c'est difficile de l'interpréter autrement. Et pour le coup, KDB fait partie des, des intouchables de la, de la sélection. Et l'objectif, c'est qu'il soit fit and well à, à, à l'Euro. Voilà, euh, dans la mesure où Lukaku est, est là, euh, je pense qu'il n'y a pas forcément d'automatisme à, à tester avec euh, avec Kevin. Alors, grosse information donnée par Jérémy. Euh, Manu va peut-être pouvoir nous la confirmer d'ici quelques instants, mais Jérémy nous dit, nous, donc il cite Domenico Tedesco, euh, qui dit Nous suivions Miles Villard depuis plusieurs semaines, mais la FIFA nous a confirmé qu'il ne pourra pas changer oh oui, de nationalité. Oui, je, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Okay. Manu va nous l'expliquer. Donc là aussi, un débat qui, qui va être clos, clos. directement. Euh, Miles Villard ne va pas pouvoir changer de nationalité sportive. Donc ça, c'est aussi euh, très très important. Euh, Pat breuil donc non, On vous confirme pas de Kevin De Bruyne pour le moment. Vous êtes beaucoup à poser la question. Pas de Kevin De Bruyne dans la sélection. Euh, on va écouter euh, d'ici quelques instants les justifications de Domenico. Euh... D'Esco, vous êtes prêt, Manu bon, Oui, je pense parce que là on a dit l'essentiel. Donc il y, y a pas mal de, de sujets. Allez-y, okay. nous vous écoutons. Hein. Donc à, par rapport à, à, à Lukaku, donc, lui n'est pas du tout euh, inquiet. Euh, il, il pense euh, que, que Lukaku devrait même jouer avec Rome ce dimanche euh, déjà et que si même ce n'est pas le cas, de toute façon il sera prêt pour le rassemblement et les matchs de l'équipe nationale. Donc euh, voilà, de, de son point de vue, il n'y a aucun doute le concernant. Alors Zvilar, il explique qu'effectivement euh, on le suit euh, depuis des mois, son son staff et lui, euh, sportivement, ça pouvait l'intéresser, mais euh, les juristes de la fédération lui ont confirmé qu'il ne pouvait pas. Une nouvelle fois, on parlait tout à l'heure de ces allées et venues entre la Belgique et la Serbie. Euh, on avait lu, entendu que réglementairement, il pouvait, parce qu'il n'avait joué qu'un amical pour la Serbie, bah, visiblement peut-être que ce chemin d'un pays vers l'autre, on ne peut pas le faire indéfiniment non plus. Donc c'est effectivement un dossier qui euh, qui est clos, euh, mais il expliquait que malgré le fait qu'il a une belle hiérarchie de gardiens, il l'observait quand même, et il prend l'exemple de Lukaku, et il disait, regardez, j'ai ma hiérarchie d'attaquants, ça ne m'empêche pas de regarder des Silla, Basset ou Stassin. Je vous les mentionne parce qu'il a cité ces, ces trois noms-là. Donc okay. C'est toujours intéressant des noms de jeunes qui ressortent ça rappelle à l'époque où Martinez avait sa liste des 100 joueurs aussi les 108 il avait cité Matt Smith de Saint-Tron lors d'une précédente conférence de presse Dominico Tedesco donc c'est vrai la compétition un très bon joueur de ça fera plaisir aux trois concernés alors le cas Witzel il répète qu'il l'adore comme joueur et comme être humain tout ce qu'il fait avec l'Atlético est formidable et incroyable ils avaient eu une bonne conversation à Madrid au mois de mars dernier pour Good conversation, ça dépend du point de vue. Hein. Peut-être bien intense, quoi. Euh, au moment de sa première sélection, euh, dans laquelle Whitsell n'était pas. Au mois de juin, il a annoncé qu'il se retirait. Ils se sont rappelés après. Ils ont discuté de façon très ouverte. Alors, il constate que maintenant, Whitsell fait de nouveau un pas pour revenir vers l'équipe nationale. Euh, mais il est désolé pour lui euh, s'il pense ça, parce que dans l'esprit de Tedesco, les choses sont claires. Et donc, je pense que là aussi, c'est un dossier qu'on peut définitivement mettre au frigo Déminer. et qui ne va pas revenir avant l'euro, Zuillard, Witzel, terminé. Et alors pour euh, Kevin De Bruyne, effectivement, c'est un... Euh, parler de, de, de blessure, comme on, on l'avait dit, et qu'ils bah, se sont appelés hier soir, ils ont considéré que c'était trop risqué, à la fois par rapport aux joueurs et par l'équipe de Manchester City. Il y a quand même toujours les clubs qui entrent en, en ligne de compte, et que finalement, De Bruyne, il en a surtout besoin pour l'euro, plus que pour les deux amicaux ici, donc prise de risque inutile. Quelle concision le chef de Manu, euh, c'est très fort. Hein. C'est très, très ça fort. 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 Euh, résumé de conférence de presse en direct. va d'écouter la suite, hein, parce que, <laughs> que ça, peut, ça peut durer après sur des petits Mais ça, c'est les cas majeurs. Oui, voilà. Je trouve qu'au final, je, je comprends encore une fois les déceptions de ne pas avoir de, de nouveautés. En revanche, je trouve qu'au moins, il a eu le mérite d'être très clair sur tous les, les sujets. Et ouais. je pense qu'en fait, à, à deux, trois mois, on est quoi à Deux mois de l'euro, là de, Deux mois et demi Oui. Euh, c'est important de finalement un peu fermer le groupe euh, et d'arriver à savoir avec qui vous allez partir à l'aventure. Et de ne pas donner de faux espoirs à... Voilà, en fait, c'est ça aussi, de ne de pas, de pas mentir. Mais de ce point de vue-là, il dit, il ne change pas sa ligne de conduite, il conserve la franchise qu'on apprécie chez lui depuis... Euh qu'on a fait sa connaissance il y, a, il y a un an maintenant et donc euh, ça, ça ne change pas je trouve intéressant vous en avez peut-être déjà parlé quand, quand j'écoutais la, la conf je ne sais pas euh, le retour de, de Thomas Meunier c'est un groupe où finalement avec euh, l'arrivée de tous les jeunes et les retraites de toute une série d'autres on manquait quand même un peu de, de joueurs d'expérience avec de vécu de précédents tournois le fait qu'il qu rejoue et qu'il soit repris en, en sélection je trouve ça quand même quelque chose de très positif Il a l'expérience de quatre tournois quand même Il ouais, hein, ça... y en a pas beaucoup qui ont cette expérience-là hein. ouais. Voilà. Oui, ça me semble. Euh, on, on savait que ça allait se passer comme ça, et à partir du moment où Thomas Meunier rejoue, je pense que c'est euh, aussi compréhensible. On nous parle de la bonne discussion entre Witzel et, et Tedesco. <laughs> euh, bon, c'est vrai qu'ils s'étaient vus à, à Madrid, mais après, euh, Axel Witzel en a parlé dans une interview chez Pix plus Sport en disant que le coup de fil pour lui dire qu'il ne serait pas sélectionné, qu'il ne serait plus sélectionné avait duré 1 minute 30. Et... Bon, 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 voilà. <laughs> euh, sujet clos, Alderweireld clos. Euh, de Bruyne est blessé, il reviendra pour l'Euro, donc il n'y a pas de problème. De Bruyne se repose. Dans de Bruyne ouais, se ouais, repose. Voilà, on et on, on lui gré bien. Voilà, ouais, et voilà. il me semble, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, donc pour le reste, il me semble qu'on a déjà pratiquement fait le tour euh, ouais, de, de ouais, ce ouais. qui ouais. se passe ici. Maintenant, on peut ouais. peut-être se poser la question, qui va remplacer Kevin De Bruyne, dont on attendait qu'il reprenne sa position numéro 10 dans, dans ce 4-4-1-1, euh, désormais habituel sous Domenico Tedesco? Alors je vous pose peut-être la question. Euh, je pense que... Dans l'esprit de Tedesco, le, le remplaçant euh, naturel numéro un, c'est Trossard. On sait qu'il euh, qu l'aime bien. Le gars est à un super niveau à, à Arsenal, en plus euh, actuellement. Euh, J'attends moi qu'il nous convainque définitivement en équipe nationale, parce qu'à part un match ou deux, euh, j'ai rarement été ébloui par euh, par Trossard. Euh, sinon, Tross, euh, Tedesco a, a déjà, mais je suis moins convaincu aussi, placé Carrasco dans une position plus axiale derrière l'attaquant. Je trouve oui. quand même qu'il est mieux à gauche. Donc, à mon avis, dans son esprit, euh, même s'il si dira que De Bruyne est irremplaçable, c'est plus Trossard qui, qui s'impose naturellement. Oui, complètement d'accord avec, avec Manu sur, sur tous les points. Euh, je crois que c'est le moment d'ailleurs. Euh... Vous allez forcément me demander, hein, au, à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'on attendra de, de ce rassemblement. Et je pense que c'est le moment justement pour, pour Trossard de montrer euh, bah, qu'il n'est plus un espoir, qu'il n'est plus un, un jeune dans lequel on, on croit, mais bel et bien un, un joueur d'Arsenal qui euh, peut gagner la Première Ligue, qui en quart de finale de la Ligue des Champions... Et euh, qui euh, est un, un super joueur Et je pense qu'aujourd'hui euh, c'est une bonne occasion pour lui de, de prendre un peu, pas forcément les rênes de l'équipe Mais de se montrer en leader technique de cette équipe là Surtout en Angleterre, à Wembley Je pense ouais. qu'il aura une motivation particulière ah, Pas très loin de chez lui effectivement Enfin bon, de l'autre côté de Londres quand même ouais. Par rapport à Arsenal Mais euh, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre hein, cette, Ce poste de numéro 10 Parce qu'il a essayé, vous l'avez dit euh, Carrasco, Trossard Il a essayé Charles de Ketela aussi Ils ont essayé une fois Openda Dans un vrai euh, 4-4-2 On sent qu'il continue de chercher la formule Tant que Kevin De Bruyne n'est pas là. En fait, oui. en fait c'est un dispositif qui marche essentiellement avec Kevin De Bruyne aussi, je ouais, oui, veux dire. C'est-à-dire qu'au vu des profils qu'on a dans, dans, dans notre équipe, qui sont euh, beaucoup des profils de, de percussion, des profils de côté, euh, pour entourer euh, Lukaku, le poste euh, de De Bruyne, qui est même pas un vrai poste de numéro 10 d'ailleurs, euh, pour moi, il a été créé un petit peu pour lui, dans l'absolu, euh, sur mesure. Donc, c'est forcément difficile de trouver un remplaçant à, à un costume qui est fait sur les mesures du remplaçant d'ailleurs euh, ce match du... en, en Autriche quand, quand j'y repense ça avait été quand même très frappant à quel point l'équipe était coupée en deux il y avait le, le 4 arrière il y avait les, les 4 fous là devant ouais. et, et entre les deux il y avait euh, Onana et, et Mangala voilà, qui, avec... qui étaient un peu paumés là. et donc ouais. on avait vraiment deux, deux blocs d'équipe 4 2, le 4 à la Brésil ouais. 1970 voilà. ouais mais le 2 était moins convaincant que le 4 et le 4 mais, <laughs> Manu était au match hein. ouais. Ouais. Là, au deux, ouais. au 2 évidemment euh, à voir si ce sera réédité on en est pas sûr. Alors bon, euh, on va pouvoir doucement passer euh, à la fin. mes dernières petites questions que j'avais pour vous, que nous avions préparée euh, en amont Qui euh, peut s'estimer déçu de cette sélection hmm. de, de ne pas avoir été sélectionné, bah Sans doute Witzel, puisqu'il avait fait un petit appel du pied pour revenir. Euh, je peux répondre plusieurs noms Oui, bien sûr. Witzel, euh, Castro Montes. Et dans l'absolu, Torgane Je ne savais pas qu'on pouvait en donner plusieurs. J'ai posé, posé, posé la suis, question. J'ai C'est bien, bien fait pour toi, Manu. Je... Bien fait pour toi, Manu. As non, avec je suis, à poser je la suis question. tout à fait d'accord avec tes noms en plus. Donc est bon. euh, qui est le plus heureux Qui peut être le plus heureux en voyant les noms sortir voilà. Connie de Winter. Bah, de Winter, euh, un, un petit pour nouveau. Pour la première. Voilà. C est, c est... Les petits nouveaux sont toujours contents. Euh, qui va pouvoir profiter des absents Trop ça. Il a encore l'occasion d'en en profiter et ce pas la première fois. Donc, j'espère que cette fois-ci, il saisira sa chance. Et on rappelle qu'il arrive en pleine bourre puisqu'il a marqué ce but pour Arsenal ouais. qui a permis à Arsenal d'aller au tir au but et finalement de s'imposer en huitième de finale de Ligue des champions. Euh, celui qui peut arrêter d'espérer d'être repris en équipe nationale après cette sélection ici Alderweireld <laughs> Bah, probablement, vous me posiez la question un peu plus tôt, un jour que j'adore, Lavia. Ouais. Sur, sur, en, enfin, en tout cas, arrêter. Pour, si. pour ce cycle-ci. Ouais. Bah, Lavia, il, il réussit quand même l'exploit quand on parle de lui à chaque fois. Euh, mais parce que tout le monde que, connaît son, son, ouais, son talent, en Voilà, c'est ça, mais bon, euh, voilà. ouais. On parle d'un transfert à 60 millions qui n'a pas encore euh, joué deux matchs pour, ouais, pour le club qui, mmh. qui a mis un peu de blé euh, sur lui. Euh, bah, dernière question quel est le trio qui doit commencer selon vous Bon, face à l'Irlande, il va y avoir quelques tests. On a déjà bien compris que l'Irlande était un, un prélude à l'Angleterre qui sera face à le vrai grotesse de cette euh, équipe nationale. Qui euh, doit être le trio offensif aligné Disons pour l'Angleterre, pour plus pour que l'Angleterre. Pour l'Angleterre, oui. oui. Bah, D'office avec euh, bah, Lukaku et, et Doku. Euh, parler de, de l'attaquant et des, des deux oui, flancs, euh, on, oui, oui. on, on évacue le problème du 10. Bah, Lukaku sûr. et Doku. Et euh, bah, avec sa forme du moment, euh, Bakayoko, ces trois-là. Comme Manu aussi, euh, Luque Bakio, on l'a dit, euh, revient de, de blessure. Bakayoko est en, est en pleine forme. Et euh, ça donnera un peu de boulot aux défenseurs euh, au bac rapide de l'Angleterre. Et Carrasco <laughs> n'a pas joué ces deux derniers matchs ouais. dans le très prestigieux championnat saoudien. On nous dit ce qui, celui qui peut arrêter d'espérer, euh, Maxime de Kuyper, qui n'a pas été repris. Ouais, et il privilégie toujours Olivier Demann comme deuxième solution au bac gauche. Mais c'est vrai que c'est un pour le coup, c'est... Euh... Ouais. Là, là, je pense simplement que... Honnêtement, De Kuyper jouerait en Bundesliga, il serait là. Là, j'ai l'impression qu'il souffre du, du fait d'évoluer dans le championnat de Belgique. Je n'ai pas fait le décompte, mais il n'y a plus grand monde de notre championnat qui est, qui est sélectionné. Hein. À part Arnaud Bodard, <coughs> est-ce qu'il y en a même un deuxième euh, euh, ben, Je n'ai euh, pas l'impression. de Bast De Bast, oui, ouais. ils sont deux. Ouais. Voilà. Ça fait il y en avait plus à, à l'époque, Martinez, qui faisait un peu plus de politique, qui reprenait quelques Brugeois. Et Yann Wertongen. Et Yann, oui, exactement. Euh... Trois. Ils sont 3 sur. Ils sont combien au total Il en a repris 24 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25. Il en a repris. 25. Euh... Et pour le reste, en défense, qu'est-ce que vous espérez voir bah, Peut-être face à l'Irlande, voir du changement, voir autre chose que l'association face Wertongen euh, Moi, j'aimerais bien voir de Bast, en vrai. Oui. Mais, okay. euh, je pense que. Je... Ce ne sera pas forcément le cas, mais je préférerais le voir contre l'Angleterre que contre l'Irlande parce que l'Irlande, je pense que c'est un match où euh, c'est un peu un traquenard pour lui. C'est-à-dire que je connais ses qualités, je les apprécie énormément, notamment dans ce qu'il est capable de faire avec le ballon, dans ce qu'il est capable de faire à, à la relance. Et le match contre l'Irlande, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, mais ça va être un, ça va être un, un bourbier défensif. Quoi. Vous allez, euh, il va y avoir beaucoup de ballons longs à gérer, il va y avoir beaucoup de pression. Et euh, je pense que ce n'est pas forcément un bon match pour euh, avoir la paix. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas nécessairement, ce ne serait pas nécessairement un, un cadeau que Tedesco lui ferait, mais ça justifierait peut-être justement ses choix de dire "Vous oh, voyez, avec De Bast, c'est pas si évident que ça. Je remets mon out face euh, titulaire contre l'Angleterre et il jouera l'Euro." Parce que votre face, a priori devrait être titulaire contre l'Angleterre. En plus, il joue, il a euh, contre joué, Angleterre. Il joue en Angleterre. Il, a il a tout joue en Angleterre. Il joue avec Leicester. Ça se passe bien avec Leicester. avec Leicester. À partir du moment où le, le coach lui donne ce crédit-là, il n'y a aucune raison que. Euh, Qu change maintenant. Qui, mais vous parlez de l'Angleterre. Il n'y a aucune raison que ce soit titulaire à l'Euro, dans l'absolu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la tête du coach, c'est mmh. clair et, et limpide. Et pour aller jusqu'au bout, alors on connaît le 11 de base déjà contre l'Angleterre, puisque Timothy Castaigne jouera à droite, Arthur Théâtre jouera à gauche, il reste le trio au milieu de terrain, avec là aussi peu de doutes finalement. Nana joue en principe, ouais. et à côté de lui sans doute Mangala. Man Mangala. Ouais. Mangala. Ouais. Attention que Tillemans revient quand même ouais. euh, revient La question, même ça va être mal être, pour La question, ça Mangala ça être... ou Tillemans Mais, mais Tillemans, là aussi, enfin, pourtant, on, on, on le connaît bien. Euh, ça fait maintenant combien de mois en équipe nationale qu'il qu déçoit, hein, les, les dernières sorties, c'est encore compliqué pour lui. Je pense qu'il vit assez mal la, la nouvelle concurrence qu'il y a autour de lui, alors qu'avant c'était euh, vraiment le chouchou de Martinez. Hein. On se souvient ouais. que c'était le premier nom que Martinez avait cité, lui qui parlait toujours du collectif, c'était le chouchou. Et maintenant il y a plein de gars qui arrivent autour de lui et c'est plus compliqué. Mais il joue dans une équipe qui fonctionne bien, il est dans un autre état d'esprit que celui qu'il avait à Leicester l'année passée, ouais. où c'était difficile, où ils ont joué la descente. Euh, C'est ça la seule balance qu'il y a dans l'esprit ouais. de Tedesco Oui, je pense. Et une, ça va être un, un vrai choix à faire pour lui. Euh, donc euh, voilà, je crois qu'Aurel Mangala a loupé le dernier match de, de l'OL, mais plus parce qu'il était malade que blessé. Donc, euh, et pour lui, ça se passe plutôt bien. L'OL va mieux aussi, donc euh, on verra. Manu prêt pour euh, Temple Bar et Covent Garden alors Oui, <laughs> oui, ouais, exactement. On Moi, je, suis, je je suis plus Manu. On sera dans On le a... même quartier que la dernière fois. <laughs> Ce qui nous promet bien des surprises. Euh, très profitez bien, messieurs. Euh, ben je pense qu'on est bon et qu'on a évoqué tous les euh, sujets de discussion Vu que oui, même dans les commentaires on nous reparle encore des mêmes euh, des mêmes noms de manière générale Donc je vous remercie messieurs d'avoir été avec nous ouais, C'était un plaisir de vous me lever à 6h30 dans ce <rire> <soir>. <rire> Merci voulait. à vous de nous avoir suivi <laughs> sur Facebook, sur Youtube et même en DAB+, sur le canal euh, euh, Viva Sport Passez euh, une belle fin de semaine Ah mais je pense que vous avez une belle fin de semaine vous d'ailleurs, non euh, moi, personnellement, je vais à Bruges ce soir. Je sais pas ah ce oui, que... c'est beau, non bah, oui. ouais. bah, On, 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 on s'y retrouve. Ah ouais, ouais, effectivement. Vous pouvez même covoiturer et vous faire la fin de la E40 ensemble, <laughs> messieurs, si <Ouais>. vous <rire> le <rire> voulez. Euh, merci à tous d'avoir été avec nous. Passez un excellent jeudi. Europa League, bien sûr, va conférence League à suivre ce soir sur la RTBF. Et puis, euh, à bientôt. Ah, à ouais. bientôt. Salut, ciao.